Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer le manteau à pink. Alors, qui fait simplement ici, je vais le défaire un peu, bah, une sorte d'hexagonale avec une, deux, trois, quatre, quatre. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six côtés. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six côtés, voilà. Où j'ai fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai regardé par rapport à un tuto. Yannick vous remettra en lien, en barre d'infos, le tuto de ce manteau. Là, vous voyez, c'était bon, mon premier. Donc, j'avais pas assez de laine. J'avais pas pourtant pris deux pelotes comme ça chez Action. Et j'en ai pas eu assez. Donc, j'ai fini par essayer de faire pour pas que ça se voit trop. Alors, j'ai eu plusieurs fois le tour. J'en ai eu le tour pour ce manteau. Chez mon ami Gourmi, c'était marqué trois pelotes et j'en ai pas eu assez. Donc, je dois crocheter large alors que je crochète d'habitude assez serré. Alors, comme vous voyez, c'est simplement, donc, je vais le mettre à l'endroit, des brides ou double brides dans un même trou et il faut suivre une augmentation. Alors, les augmentations, c'est ici par deux dans le même trou, vous voyez? Donc c'est très simple, hein, ça se crochète avec un gros crochet. Donc moi je crochète toujours avec mon crochet ici 3, hein, c'est mon crochet fétiche. Où est-ce que c'est marqué 3? Enfin c'est un 3, hein, voilà. Donc un 3. Et voilà. Alors ici j'en ai un autre. Oups, il fait de combien celui à 3? Voilà. Je ne sais pas si ça va zoomer dessus. Si vous allez voir. Mais c'est un 3. Donc ces petits crochets, je crochète aussi avec mes amis gourmis, pareil. Donc ici, j'ai simplement mis un bouton. Donc ça, vous l'ajustez simplement quand le chien a son manteau dessus. Hein. Moi, je le mets où ça lui va bien. Hein. Vous voyez, ça rentre entre les mailles. Ça peut être un peu plus loin. Mais j'ai mis pour que ça soit en dessous, pour que ça se ferme quand même. Là, c'est assez lâche. Et comme j'avais pas assez de laine, j'aurais voulu faire un plus grand col, ainsi qu'ici un peu plus grand. Alors, ça va vite arriver trop petit, ça, hein, puisque Pink, ben, elle grandit vite. Mais je voulais vous le montrer. Et le modèle est très bien expliqué. Hein. Ça se fait très rapidement. Moi, je l'ai fait sur une après-midi. Hein, c'est très, très rapide. Et j'ai pris pour ce manteau d'autres laines. Vous voyez, j'ai mis dans ma boîte que j'avais achetée, vous vous rappelez, blanche, le rose qu'on voit en ce moment. Mais comme vous voyez, donc j'ai pris 4 roses. J'ai pris, si je ne me trompe, 5 bleus, parce que je vais en faire un pour Grisouille. Donc 5 bleus et 3 pour Pink, pour un autre de Pink. Donc 1, 2, 3 pour Pink, 1, 2, 3, 4 pour faire un rose pour Mimi, où j'avais acheté deux plots dans un haul que je vous avais montré il n'y a pas longtemps de Action, des pots roses, un peu laineux pour cet hiver. Alors soit je fais ça pour Pink, ou soit je fais celui-là de coloris. Donc je les avais pris, Yannick était retourné quand ils étaient à 79 centimes pièce, donc ça date d'il y a 15 jours, des promos de 15 jours, et on en a pris 5 pour Grisouille, pour lui faire un manteau dans le bleu, dans le même genre. Voilà, comme ça ils seront parés pour l'hiver, donc j'ai préparé, tout y tient, regardez, tout y tient, donc je trouve ça bien, donc là je l'ai préparé, je mets mon manteau par au-dessus, et je suis en train de faire ça, je suis en train de faire des images, je fais mon amigurumi, comme ça me permet de pas penser, et de pouvoir plus me focaliser sur autre chose. Et je trouve que ça, c'est très bien. Voilà, donc je vous le montrerai quand j'ai fait d'autres modèles par rapport à ce manteau. Vous avez peut-être vu en Instagram où Pink le mettait, ou dans les vidéos que je mets Pink, son évolution le lundi. Mais je voulais vous montrer les nouvelles couleurs. Donc là, j'aurais dû faire ça. Hop, parce que c'est la même couleur. Hop, hop, comme ça, on voit bien que c'est les mêmes couleurs. Voilà. Je joue au jeu de mettre les bonnes couleurs. Voilà. Donc, il y en a bien 5 pour Grisouille, 3 pour Pink et 4 pour Amy. Quand bien même, je pense que Pink et Amy sont déjà bientôt au même poids. Amy fait 7 kilos et Pink, elle était à 4 kilos, mais là, elle grossit bien. Donc, ça va faire 15 jours. Ouais, bah, elle fait bien déjà bientôt 6 kilos. Bah, on verra au vétérinaire puisqu'elle va faire son vaccin. Voilà, donc elle l'aura peut-être déjà fait quand vous aurez cette vidéo. Voilà, bah, je vous remercie. En tout cas, je voulais vous montrer ce petit manteau. Et puis, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude sur vos questions. Donc, je n'ai pas fait le tuto, hein, je vous répète, c'est pas moi qui ai inventé ce manteau. Je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube, hein, je pense comme tout le monde. C'est mon premier, donc c'est pas folichon. Mais Yannick vous met le lien en barre d'infos, comme ça vous verrez au crochet. Moi, je sais pas. Pas tricoter. Si ma maman n'est pas à côté de moi, je ne sais pas tricoter. Donc je crochète. C'est ce que je sais faire le mieux, le crochet. Et j'ai trouvé celui-là très très bien.
Après, il y en a avec des colmotants, mais j'essaierai pour cet hiver. Voilà, ben je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci!